bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Son des animaux. Aujourd'hui, plongeons-nous au cœur des champs et des forêts pour découvrir le cri du lièvre. Vous venez d'entendre un cri qui pourrait vous étonner si vous ne l'aviez jamais entendu auparavant. C'est le cri du lièvre, un animal bien plus fascinant qu'il n'y paraît. Le lièvre est un animal solitaire, très réputé dans les campagnes françaises. Il est souvent confondu avec le lapin, mais sachez que les deux espèces ont des comportements très différents. Contrairement au lapin, le lièvre ne creuse pas de terrier. Il préfère rester en surface, se cachant dans les herbes hautes et les champs, ce qui lui permet d'observer les prédateurs potentiels tout en restant parfaitement immobile. Le cri du lièvre est surtout émis en situation de danger. Ce cri, souvent aigu et perçant, sert à signaler sa présence lorsqu'il est menacé. Cela peut sembler surprenant, car les lièvres sont d'ordinaire très silencieux. Mais, en cas de prédation, par exemple lorsqu'ils sont poursuivis par un renard ou un rapace, ils peuvent pousser ce cri impressionnant. Déjà, nos ancêtres avaient remarqué ce cri étrange, pensant que le lièvre avait une âme sensible. C'est peut-être là que se trouve une part de la symbolique du lièvre, souvent associée à la ruse mais aussi à la fragilité. Les lièvres se déplacent généralement en zigzagant pour échapper à leurs prédateurs, utilisant leur agilité et leur rapidité pour semer la confusion. Et c'est bien à ce moment-là qu'ils peuvent être amenés à crier, notamment s'ils sont attrapés. C'est un cri de survie, un dernier recours. Maintenant que vous avez entendu le cri du lièvre, vous pourrez peut-être le reconnaître lors de vos balades en pleine nature. Restez avec nous pour en apprendre plus sur la faune qui nous entoure.